Bonjour. Alors la Grinder Family, c'est nous deux plus nos deux enfants, donc quatre personnes. Et c'est un univers qu'on a créé il y a à peu près 4 ans quand on s'est lancé dans une démarche zéro déchet. Et on a voulu embarquer toute la famille dans la première étape qui était la réduction des emballages et qui nous a assez rapidement mené à se reposer la question de notre mode de consommation. Et aujourd'hui, on est content de l'effort accompli et du changement. Ben, le point commun, c'est Philippe justement, parce que moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre d'une conférence qu'il faisait, et ça nous a permis de mettre un autre nom à notre démarche. On ne savait pas trop comment l'identifier au départ, et aujourd'hui on se dit ambassadeur, mais vraiment de l'éco-frugalité, parce qu'on a globalisé notre démarche. On ne pense pas que à la partie zéro déchet, on pense au transport, à l'énergie, à plein d'autres secteurs de notre vie courante. Voilà, le terme de faire mieux avec moins, voilà, ça a résonné en nous. Et il nous manquait une façon de pouvoir l'exprimer et le partager avec d'autres. Donc aujourd'hui, on le partage avec nos réseaux sociaux. On a été ravis de pouvoir commencer les ateliers Ecofrugo, de tester le concept. Et c'est ce qui nous manquait, c'est un support. C'est un ensemble et on le faisait très personnellement. Et on s'est dit, à un moment, on a envie de le partager. On recrée beaucoup de liens sociaux, ne serait-ce qu'avec les commerçants avec lesquels on côtoie au quotidien. Et donc on s'est dit, voilà, l'étape d'après, on s'est rapproché d'associations locales. On se disait, il se passe beaucoup de choses à Paris, on est un peu loin. On s'est plutôt rapproché localement de nos associations, de nos voisins, et puis finalement on fait ça chez nous. Et ça a une résonance, j'allais dire, assez importante, dans la mesure où ils ne sont pas du tout dans cette réflexion-là. Donc, ils sont écologistes pour beaucoup, etc. Mais voilà, le zéro déchet, c'était encore nouveau pour eux. L'éco-frugalité encore plus. Et donc, c'est génial de pouvoir échanger avec eux. Et l'atelier éco-frugal, ça nous donne le support, voilà, pour se sentir aussi à l'aise avec tout ça. Donc voilà, c'est super.